Plop tout le monde, ici Taroy, donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo 85 de Brakmar. Je viens de sortir tout juste la 84, donc la suite. S'enquérir de la récupération des pierres manquantes. Un groupe de miliciens a trouvé deux pierres dans les mines de Pankot, et ils ont eu l'intelligence d'assassiner le contremaître des esclaves pour le remplacer par un autre à la solde de Brakmar. Par contre, le milicien parti à la recherche de la dernière pierre ne donne plus signe de vie. Je me fiche de ce qui a pu lui arriver. Ce qui importe, c'est que nous mettons la main sur la dernière pierre. Les documents mentionnent des ouvrages d'une bibliothèque de Frigost. Alors pars pour l'île gelée et mets-toi à la lecture. Ok. Bon. Ouais, mais je trouve ça bête de perdre quelqu'un. Après, à ce que j'ai compris, c'est des guerriers esclaves. Donc, bon. Ah, il va falloir faire un donjon. Ce sera pas un petit donjon. Alors, bibliothèque de Frigost. Ah. J'aime pas ces quêtes-là. Je préfère vraiment les quêtes qui demandent du skill personnel. Des quêtes... Enfin, où il y a la gloire. C'est la différence entre quelqu'un qui arrive à faire un donjon, enfin un fungus, et quelqu'un qui fait les quêtes Caflipus. Bonjour. Bonjour, vous êtes ici dans la bibliothèque de Frigost. Je vous demanderai de ne pas faire de bruit et de veiller à remettre les livres là où vous les avez trouvés après consultation. J'essaye de garder une trace de l'histoire de toute notre île, mais plusieurs documents ont été égarés depuis la glaciation. Si par hasard vous en trouvez un, je vous serai gré de me l'apporter. J'en ferai alors deux copies, une pour vous, une pour ici. Les deux l'œuvre originale sont conservées dans un autre bâtiment, la tour des archives, au nord-est d'ici. Un milicien de la même cité que la vôtre est venu me poser des questions à ce sujet. Plus récemment, j'ai reçu la visite d'un groupe de miliciens de la cité rivale qui voulait la même chose. Alors ça sert à ne pas faire deux dialogues. Hein. Tu fais le même dialogue pour deux quêtes. Alors, t'as des livres là-dessus ? Je vais vous économiser des heures de lecture, car il paraît que les gens d'aujourd'hui détestent ça. Pas moi. Il fait référence à une pierre magique conservée au cœur de la forêt pétrifiée par son gardien. Ce que je trouve étrange, c'est que le livre aurait dû mentionner la forêt mystifiée, mais je m'attache sans doute trop aux détails. D'accord, merci. Tant que j'y suis, le milicien est revenu plus tard pour consulter des traités alchimiques. A priori, il cherchait des informations sur des dissolvants. J'aurais redirigé vers Egric Azarai, un de nos alchimistes locaux. D'accord. Oh, c'est quoi ça? Oh, non. C'est du background. C'est intéressant, mais pas maintenant. Faut vraiment qu'un jour j'arrive à... Bah, c'est un projet que j'ai dans le futur, hein, mais pour l'instant je m'en occupe pas trop. C'est un peu con d'ailleurs, je voudrais que je m'en occupe. C'est de en fait faire un site... Bon déjà en plus j'ai pas de nom, donc je l'appellerai peut-être Taroy. Où il y a un maximum de textes sur le jeu, les quêtes, tout ça, mes résumés de quêtes, mes vidéos. Ça serait intéressant. Bref. Eric Azari. Non, je ne veux pas de votre purin ici. Je commence à en avoir assez de ces blagues idiotes. Ah, vous ne distribuez pas de fumier? À vous voir tout crotter, j'ai cru que... Enfin, non, rien. Mais attendez, vous n'êtes pas d'ici. C'est évident. Oubliez cette histoire de fumier. Bienvenue dans mon atelier. Vous prendrez une petite tisane? Oh, c'est un ami à vous, ce grand baraquet? Il est parti sans me laisser un moyen de le joindre. Recentrer le disque. Ce qui est sûr, c'est que ça n'était pas pour ses ongles. Je lui ai pourtant dit de ne pas les ronger. Ça boudine le bout des doigts. En fait, il cherche un moyen de dissoudre l'étoile du coriandre, le gardien de la forêt pétrifiée. Comme il n'est jamais venu ici auparavant, et avec le fou qui rôde dans le village enseveli, je lui ai conseillé de trouver un guide. Il m'a dit qu'il allait se divertir à la taverne du paradis frigossien avant de partir, et je ne l'ai pas revu depuis. Quand vous le croiserez, dites-lui de passer me voir. Merci, vous êtes un amour. Tenez, je vous ai noté la recette du dissolvant. On sait jamais. Peut-être que vous en aurez besoin pour retrouver votre ami.
Alors, blague de soufre, mandragore, dolomite, pépite. Ok. Faudra certainement craft après. On va voir la taverne pour l'instant. Puis après la taverne, peut-être que ouais, on ira crafter le dissolvant comme ça c'est fait. Ah mince. J'espère qu'il est en HDV. J'espère qu'il est en HDV parce que j'ai pas d'alchimiste sous la main. Bah, sinon, je demande à un alchimiste random. Je sais pas. Donc, sinon, je disais pour le site, en clair, un site qui répertorie un maximum de textes, un maximum de quêtes, les rapports RP, mais également en fait les informations qu'on peut trouver. Et en clair, un truc de background. Bon, je sais, ça fait un peu doublon par rapport au wiki Dofus, mais c'est pas exactement la même chose. Alors, c'est pas toi, Jean-Pierre Kofkof. Non. Bois et profite de la vie tant qu'elle te sourit encore. T'as pas vu un milicien? Pour sûr que j'en ai vu un. Il cherchait un guide pour le conduire au-delà du village enseveli, dans la forêt maudite par les dieux. J'étais tenté de leur dissuader, sans résultat. Je lui ai dit de se méfier des seugs, mais pareil, il n'a pas voulu m'écouter. Tant pis pour lui. C'est quoi les seugs? C'est une secte de coupe-gorge qu'on croyait disparue avant la glaciation. Ils ont refait la surface récemment et on déplore déjà l'assassinat et le dépouillement de plusieurs touristes. Aïe. Une de leurs techniques favorites est d'approcher leurs victimes et de se faire passer pour des guides touristiques. Une fois la vigilance de la victime relâchée, ils profitent de son sommeil pour accomplir la sinistre besogne avant de disparaître dans la nature. Comment tu sais ça? Tu vois ces cicatrices sur mes poignets et mon cou? J'ai survécu à leur agression. Ma femme, par contre, n'a pas eu cette chance. Paie en son âme. Suis mon conseil, ne compte que sur toi-même et refuse l'aide des guides. Faut aller au coriandre. Tac, tac, tac. Village enseveli. C'est le plus proche. Non, attendez, je reviens. Donc je me fais attaquer sur le trajet? Ok. Bah, on y va. Battons-nous. Sug. Ajoute un compagnon au cas où. Je me le mets juste en sup. D'accord. Ici. Alors, 4800 PV, 9,6. J'ai pas compris un truc là. Invisibilité. Invisibilité. Mais il est trop bien, Zopel. Quoi? Quoi? Ah oui, les seuils, c'est bon, je vois ce que c'est. Mais bon, quoi quand même? C'est mal ça. Je sais pas, je vais envoyer ça à la tronche. Je sais pas. J'ai presque mid life. Merci mon chou. Il est là. Aïe. Alors toi, tu vas voir. Kraki à l'attaque. Attends, j'ai bien quelques EPM. Oui. Hop. Je pense que le Doppelosa va lui mettre une... un petit cri de l'ours. Non. Si. Alors, est-ce que c'est cumulable les deux? Non, c'est pas cumulable, d'accord. Donc, ça sert à rien de lancer ça. Hop. On va la jouer un peu invoque, parce que j'aime bien ça. Bim.
Bim. De pas les morts. Ça fait très très mal. Je vais me cacher. Au pire, il est quasiment mort. Je pense que je peux l'achever là. What? C'est quoi ce monstre? Ah bah il est puissant hein. Salut Barbe. Waouh. Et c'était pas dans la quête. Donc Syria. Alors je reviens, je connecte mes personnages en attendant. Relégeant, alors je viens de terminer le coriandre et j'ai obtenu la fleur de coriandre. Afin de repousser les herbivores, cette fleur de coriandre sent le fauve en cage. Ça marche aussi pour repousser les belles-mères ou les prétendantes trop collantes. D'accord. Et j'en fais quoi? Utiliser le dissolvant. Oui. Sortir. D'accord. Je dois utiliser quelque part. Y. Y a rien. Bon, je vais aller crafter le dissolvant en premier et après on verra. Relégeant, donc on va crafter ce fameux dissolvant. Alors, 10 dolomites, 2 pépites, une bague de soufre, une fleur de coriandre. On passe sur l'autre compte, 2 lames de mérulette. Je remercie Kiki qui m'a prêté son compte. Et j'ai dû oublier quelque chose. Alors la fleur, les volves, lame de mérulette, mandragore. J'ai pas les mandragores. Pourtant je m'en suis acheté plein. Voilà. Alors vu que le prix à la dizaine était bien trop élevé. Voilà. Dissolvant phosphorescent. Agité comme une torche dans la nuit, il attirera tous les insectes mais aussi leurs prédateurs. Un moyen simple de chasser sans se fatiguer. Oh. Donc sur ce, bah moi je déco le compte de Kiki et je reviens. Re tout le monde, après le craft du dissolvant, on retourne au fameux donjon qui se trouve sur l'île de Frigost. Voilà. C'est pas le bon sap. Et oui, vous saviez parfaitement normalement qu'il s'agissait de l'île de Frigost puisqu'on y était il y a environ 2 minutes. 3 minutes. On vient de dépasser les 2 minutes d'enregistrement depuis la fin du donjon. D'ailleurs, je vous ai pas filmé le boss. Pourquoi? Parce que je trouvais ça pas utile. Puis en plus, j'étais avec Kiki et avec Boulet. Donc, bon, on a fait un peu les cons, tout ça. Ça aurait pu faire un best team FR, mais ouais. Pas assez intéressant. Puis on l'a pas filmé. Puis il y en avait 3-4 qui avaient pas plu, qui m'avaient MP en me disant que mettre des best team FR comme j'ai fait une fois, je crois, Splinter Cell, c'était pas une bonne idée. Que les quêtes, ça devait rester un peu plus sérieux. Soit, d'accord. Alors, Sylvie Barbe, se rendre au fond de l'antre. Et voilà. Alors, le dissolvant Ramola. Je suis étonné que tu sois arrivé jusqu'ici. Tu es venu chercher la pierre sacrée d'Arachnages, je suppose? Oui. Alors, je suis au regret de t'annoncer l'imminence de ta mort. Tu seras un sacrifice de choix en l'honneur d'Arachnas. Ouais. On a le droit à un compagnon? Ou pas? Non. Donc on y va. Quoi? Aïe! 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 Mais... Moi je me bats! Je...
Waouh. Mais... Non. Waouh. Un PM utilisé, moins 200 de puissance, c'est dommage. Ah bah punaise. C'est la dard d'Alain qui m'embête. Waouh. Trop de dégâts. Ça a tué le Doppel. Pas cool ça. Ouais, je crois que j'ai perdu. Oh, s'il faut que je fasse un autre dissolvant, ça va m'énerver. On va faire ça. Comme ça, le dragonnet peut éliminer la Dardalène. AP à utiliser fait perdre des PV. D'accord, donc il suffit que je bouge pas. C'est pas possible. Re tout le monde, alors j'ai une technique qui marche à moitié, mais en fait, il me faut un bon placement, ce que je n'ai pas souvent. Donc là, il faudrait qu'il soit soit là, soit là, soit là. Et en fait, il n'est jamais là, là ou là, ce qui fait que c'est pas trop possible. Dans ce cas-là, je peux peut-être essayer autre chose. C'est de me mettre plus proche, mais quand même pas assez proche pour qu'il puisse me taper tour 1. Comme là. Ça sera peut-être plus rentable, je sais pas. À voir. Cette strat, en fait, repose sur l'inverse de ce que je fais d'habitude pour ce genre de combat. C'est-à-dire pas d'invoke, full rocks, full no brain. Et en fait, j'ai remarqué que c'était la strat qui marchait le mieux, puisque mes invokes meurent trop vite à cause de ces effets gênants. Donc c'est la seule possibilité que j'ai trouvée, mais je suis pas vraiment sûr du résultat. Ah, si, il semblerait que ça va être possible. Donc voilà. Alors, pour rappel, éventuellement, pour ceux qui n'ont pas compris, le boss... D'accord. Pour ceux qui n'ont pas compris, enfin le mini-boss, en clair, quand on le tape, il t'envoie un effet. Je sais plus, Ramija, un truc dans le genre. Il est où l'effet? Sang de Kalima. En fait, Kalima, quand il vous le lance, ça vous met un poison atroce qui vous fait 200, enfin, qui vous fait 4 dommages par PA utilisé et 4 dommages par PM utilisé. Ça fait environ 500 dommages pour un 12-6. Voilà, pour 16 utilisés. Ça fait environ du 500. Et en fait, tout ce qui n'est pas dans les faits alliés, c'est-à-dire vos invocations, reçoivent des dommages à chaque fois que lui se fait taper. Donc à chaque fois que vous le tapez, vos invocations seront tapées. Donc à chaque fois que ça reçoit des dégâts, donc si vous avez beaucoup d'invocations, si vous utilisez beaucoup de sorts, eh bien vos invocations vont mourir très vite. De même, à côté, il y a la petite bestiole qu'il invoque, qui est extrêmement embêtante, puisqu'elle vous met aussi des poisons en fonction de ce que vous tapez. Donc, c'est pour ça que la strat de frappe du crackler est très bien, puisque vous tapez en zone, vous tapez très fort. J'ai mon Broly avec moi, donc ça m'aide, mais pour un niveau 185, je crois que le combat est un peu plus chaud. Ça me gratte le nez, c'est atroce. En fait, c'est simple. Mes dégâts sont supérieurs à son poison. Je prenais combien de poison? Je prenais 270 au poison et je tapais du 760. Sachant qu'il a 5000 PV et moi 4000, ça fait que normalement ça marche.
Sauf qu'à côté, il me met 300 dommages par tour. Et la petite bestiole qui est avec lui m'en met environ 200. Donc, c'est pour ça qu'il fallait compenser et que j'ai mis beaucoup d'essais qui étaient très embêtants. Bref. Et on a eu la pierre sacrée d'Arachnas et on la porte tout de suite à Uknot Alag. Alors, hop. Hop. Alors. Voilà, j'espère que la petite explication vous a convenu. Hein, si ça ne vous a pas convenu, demandez-moi en commentaire, je peux expliquer un petit peu mieux. Peut-être. Peut-être. Je promets rien. Attends, ils en ont ramené deux, les zigotos. Je viens d'en ramener deux. Non, j'en ai ramené deux au début. Là, donc ça fait 5, donc c'est bon. On a toutes les pierres. Ah, je me suis promis que j'allais bosser ce soir. Parce qu'il est 22h30, j'ai du travail à faire pour demain. Enfin, du travail en retard d'une semaine. Ouh là là. Mais bon, je me suis promis que j'allais le faire. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu faire la quête. Bon, je la ferai demain. En plus, ça, c'est bien, ça fait du contenu. Bah, attendez, demain on est jeudi. Donc, je peux la sortir. Je peux la sortir jeudi. Et me faire du contenu pour après. C'est bien. Montrer la pierre sacrée d'Arachnas. D'accord. Pas de texte. Ok. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Ça y est, on est d'alignement 85. Il y a plus que 5 quêtes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on a terminé avec les quêtes de Brakmar actuelles. À ce que j'ai compris, il faudra attendre assez longtemps pour avoir les quêtes jusqu'à 100. Puisqu'il y a des éléments, des éléments du jeu qui n'ont pas encore été implantés, qui sont nécessaires aux quêtes 100. En fait, les 10 dernières quêtes sont prêtes. Mais il y a besoin de quelques éléments. Par exemple, là, on a eu besoin de Srambad. On est allé à Ekaflippus, tout ça. Donc, les quêtes ne pouvaient pas sortir sans Ekaflippus. Et pour la prochaine fois, il y aura besoin, je sais pas, c'est peut-être la zone sous-marine. Peut-être que ça concerne les Dofus. Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une quête précédente, l'un des PNJ était le possesseur du Dofus Eben. Ou Dofus Eben, si vous voulez. Et... Il y a mon chat qui se bat avec je sais pas quoi. Et vu qu'il avait le Dofus Eben, ça veut peut-être dire qu'il y a une implantation, un rapport avec le livre, le Dofus Eben, qui sortira l'année prochaine. Voilà. Et c'est peut-être le Dofus Eben et le Dofus Ivoire pour les Pontariens que l'on va gagner. Donc sur ce, bisous bisous les gens.